Unité et Réconciliation, le parti HVM prend l'initiative. Une rencontre autour d'un repas, traduit par Nufkenam Tampiavanan, a été organisée aujourd'hui dans le district d'Avarajan à l'initiative du parti Irvovowon Madagascar. L'objectif, comme l'a fait comprendre Sloufra Souarawan, président d'honneur du HVM et mandaté par le président de la République, est d'afficher la solidarité de toutes les forces vives de la nation. Bien qu'ils appartiennent à différentes tendances politiques, ces partis et associations ont réuni leurs forces pour contribuer au développement du pays à travers le programme élaboré par le chef de l'État. Si compte tenu de ses obligations, le président Iradjodarman Pian n'a pu rehausser de sa présence cette cérémonie, il a offert 2 ébus et 1 tonne de riz aux 2100 représentants du district d'Avarajan. La mère du président était également aperçue sur les lieux en compagnie de ses proches. De nombreuses personnalités étaient elles aussi présentes, pour ne citer que 2 des ex-candidats aux élections présidentielles, en l'occurrence Adzu Anjianenarve du MMM et Sarah Georgie Rabiarsou du Parti Vert. Il en est de même du vice-amiral Hippolyte Ramarson, du général Marcel Randev, du général Ratimazaf ou encore du prince Georges qui n'est autre que le gendre du professeur Albert Zaf. Le culte qui a inauguré la cérémonie a été placé sous le signe de l'unité et de la réconciliation.